Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 20 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je préviens tout de suite, sur cette semaine, il est possible qu'il n'y ait pas de guidance sentimentale, hein, parce que je suis en train de faire les signes pour le mois de janvier. Allez, c'est parti. On a dubitatif, dubitative et déçu. Bon. Bon, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous ne croyez pas. Alors, il y a une situation qui vous laisse perplexe. Il y a une histoire de déception ou de la peur d'être déçu. Je vous sens en retrait par rapport à ça. On va regarder avec les secrets, l'oracle, les secrets de ton avenir. Alors, nous avons abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie et une proposition amoureuse à l'approche. Et derrière, on a pas de bonnes intentions envers toi. Alors, une proposition amoureuse, on est dans le général, hein, on va pas se focaliser sur le sentimental. Mais ici, clairement, il y a une situation qui vous laisse perplexe et vous avez raison. Parce qu'on voit qu'on vous fait une proposition et qu'elle n'est pas forcément bonne. Hein, c'est comme si c'était un peu un cadeau empoisonné, faites attention. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Alors peut-être que c'est une personne qui vous a déjà, comment dire, qui vous l'a déjà faite à l'envers par le passé. Ou tout simplement, on voit que c'est une personne dont vous vous méfiez par rapport à une situation du passé qui pourrait revenir sur le devant de la scène en vous faisant une proposition, quel que soit le domaine. Allez. Alors, on a « Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. » Ok. Et « Exprime ta créativité, sois confiant, confiante et exerce ta créativité de mille façons. » Ok, on vous demande de vous focaliser sur votre créativité et de regarder les choses dans leur ensemble. Fiez-vous aux faits et non pas à vos émotions. C'est peut-être ça hein, qui vous rend un peu perplexe, hein. Mais ouais. Il faut vraiment regarder la situation dans la globalité. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Alors, à la coupe, on a la santé, enfin la seringue et vous. Bon, vous êtes stressé ou vous êtes mal ici, hein. Il y a des tensions, il y a du stress. Bon. D'ailleurs, on a les deux cœurs et on a ouais, la petite fille. Ici, vous êtes à fleur de peau. Hein. On est là dans l'immédiat ou dans le passé très très récent, peut-être par rapport à une situation ou autre. Mais ici, vous êtes à fleur de peau émotionnellement parlant. Alors, ça peut être dû à de la fatigue, ça peut être dû à des situations que vous devez gérer. Vous en avez peut-être trop. Pour certains et certaines, vous en avez gros sur la patate là. Alors, on a le bateau, le deuil, la flûte brisée, le printemps et le coquillage. Bon, alors là. Par rapport à l'extérieur, alors ça peut nous parler du printemps dernier. Ici, vous faites le deuil d'une situation, peu importe le domaine, et on voit que vous prenez un nouveau départ. Là, vous allez enfin prendre un nouveau départ. Il y a peut-être la fin d'un cycle de deuil. Pour d'autres, ici, bon, il est question peut-être d'un voyage qui a été reporté et que vous allez pouvoir faire dans les prochains mois. En tout cas, ça parle comme ça. Pour d'autres, ici, ça peut être aussi relationnel. Hein. Ici, clairement, vous coupez un lien, vous partez vers de nouveaux horizons. C'est comme si la personne aujourd'hui, elle était étrangère à vous, quoi. Allez, on va regarder. On a la famille, on a la pyramide. Le cœur partagé, ça nous fait penser à dubitatif, dubitative. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'épée, l'écureuil, les symboles sexuels qui nous parlent d'échange d'énergie ici.
Bon, alors là, ici, il y a quelque chose qui revient sur le tapis, soit par rapport à un conflit familial avec une personne de votre entourage familial, soit par rapport à un environnement familier. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une progression, il y a un avancement. Ça peut être par rapport à un litige aussi ou un lieu de vie. Cependant, par rapport à ce qui est dit, parce que là j'ai des échanges quand même hein, avec cette carte-là, par rapport à ce qui est dit, on voit qu'il y a le fait de douter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Vous restez sur la réserve. Vous vous préservez, vous vous protégez aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une construction, que ce soit relationnelle, par rapport à un projet, par rapport à une situation. Regardez. Ouais, on a le désert ici. Donc là, vous voyez, vous êtes un peu perdu, hein. Ouais, on a la petite fille. Donc là, on voit hein, qu'il y a des émotions exacerbées. Ça peut être par rapport à une blessure avec l'épée, hein. On a la santé. Ça ressort, hein. Ouais, clairement, ça vous stresse là. Et on a la personne extérieure. Donc, vous voyez, vous allez échanger avec une personne. Alors, peut-être aussi que vous allez prendre contact avec un thérapeute. C'est possible. Mais au-delà de ça, on voit que vous échangez avec une personne et ça vous affecte particulièrement. En fait, vous n'arrivez même pas à mettre de mots sur les émotions qui sont à l'intérieur de vous. C'est trop fort. Ouais, vous voyez, j'ai l'argent, le contrat, la tour, les démarches. Ouais. Bon, vous avez le succès par rapport à vos démarches, hein. On vous dit que écrire aussi, c'est quelque chose qui peut vous libérer. Et si vous avez comment dire, si vous êtes en procédure, si vous réclamez quelque chose au niveau financier ou un remboursement ou autre, on voit que vos démarches vont payer, hein. Ou alors par rapport à un litige, hein, c'est possible aussi. Ok. Voilà, c'est pas négatif, mais c'est remuant là, émotionnellement parlant. Alors j'ai aussi des personnes qui ont peur là par rapport à une intervention médicale. Allez, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 20 décembre 2023? Alors, désintérêt, oubli. Besoin d'ancrage, rupture. Ok. Fin de cycle. Pour moi, vous êtes sur la fin d'un deuil ici. Allez, une dernière carte pour ce mercredi 20 décembre. Il y en a deux, ben on va les prendre. Rencontre forte, potentiel exacerbé. On est encore dans le fait d'être à fleur de peau. Et derrière, on a l'année en cours. Il y a vie antérieure, blocage, karmique, jugement, travail et entreprise. Vous êtes en train de travailler sur vous-même. Alors, on vous dit l'année en cours, hein, donc ici, on est fin d'année. Pour moi, ça s'arrête, hein. Vous êtes vraiment sur une fin de cycle, encore une fois, là. Il y a quelque chose qui vous ronge par rapport à vous-même. Comme si vous étiez bloqué sur une situation passée. Vous vous critiquiez. Vous vous jugiez par rapport à des faits passés. Ça peut être aussi le fait de juger la situation, hein. Ouais. Bon, il y a une transformation derrière. Bon, alors ici, désintérêt, oubli. Il y en a la rencontre forte et le potentiel exacerbé. Donc là, clairement, peu importe le lien, hein, peu importe ce qui se passe, peu importe la situation, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment sur du général. Ici, on voit que vous arrivez à un stade où... il n'y a plus d'attrait, que ce soit par rapport à une situation ou un relationnel. Malgré tout, il y a cette histoire d'émotionnel qui est encore présent. On voit ici que vous allez vous réancrer, d'accord? Vous réancrer, être dans le moment présent. Il y a une fin de cycle par rapport à une fin, une rupture, une séparation, à la fin d'une situation. Alors derrière, on a protection et réalisation.
Réponse déjà en soi. Bon, je suis désolée hein, si vous entendez les travaux. Je ne peux pas faire autrement. C'est dehors. Retombée positive. Libération d'un blocage et corps physique souffrant. Ouais. Bon, vous allez arriver à dépasser ça. On voit ici que par rapport à ce qui à une situation ou à un relationnel, on voit que vous avez souffert physiquement parlant. Votre corps a parlé, hein. Mais c'était pour vous protéger. Ici, vous allez vous libérer d'un blocage et vous allez voir que vous allez avoir des retombées positives. Alors, vous libérer d'un blocage, moi, pour moi, c'est vous libérer d'une situation, vous libérer émotionnellement. Et vous allez avoir des retombées positives. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose de malsain ici, avec le mauvais œil, la jalousie, événement proche, tristesse. Ouais. Va falloir. Bah, vous voyez, j'ai l'être aimé, l'ex-partenaire. Alors, ici, on parle du passé, encore une fois, hein, mais quelque chose qui vous affecte particulièrement par rapport à un passé. L'ex-partenaire, je rappelle, là on est dans une guidance générale, ça ne veut pas dire que c'est un ex ou une ex, ça peut, mais c'est pas. On parle du passé en général et on a la réussite, vous allez y arriver. Mais on voit ici qu'il y a un événement qui va vous chambouler encore une fois, mais vous allez réussir à dépasser tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a là? Voilà, rancune, vous voyez. Ok. Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. Au niveau sentimental et affectif pour ce mercredi 20 décembre 2023. On a l'amour éphémère et on a le couple. Et derrière, on a la transformation. Ok. Alors ici, il se peut qu'il y ait une relation qui était plutôt légère, qui va vers un engagement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple ou en relation, on voit qu'il y a une certaine forme de légèreté qui a un renouveau, hein, quelque chose qui revient. On voit qu'il y a une situation qui s'allège ici dans un relationnel. On voit qu'il y a une transformation. Ok. Alors, on a le choix derrière. La rencontre, la ruse, la malhonnêteté, le mensonge, le doute, l'âme sœur. Bon, vous avez des doutes concernant une personne ici, pour certains et certaines d'entre vous, les célibataires. Vous hésitez, vous ne savez pas trop. Si vous vous dites déjà à la première rencontre ou deux ou troisième rendez-vous, il y a quelque chose qui cloche, clairement, fuyez. Pour d'autres ici, pour celles et ceux qui sont en lien, vous doutez. Vous doutez des sentiments, vous doutez de l'honnêteté de votre partenaire, il ou elle. Il y a quelque chose qui vous. Ouais. Alors, quand je dis douter de l'honnêteté, c'est pas forcément que la personne en face de vous est infidèle, mais il y a une histoire de mensonge ici, de duperie. Hein. Voilà. On va regarder qu'est-ce qu'on a. En tirage, on a la protection, l'amour éphémère. L'épreuve, la difficulté, l'attraction. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, les couples qui sont déjà établis, on voit qu'il y a peut-être eu une épreuve. Une crise passagère, mais on voit que les difficultés vont s'estomper ici, que vous allez vous rapprocher de nouveau. Pour d'autres, là, les célibataires, on vous protège. Attention au drapeau rouge, hein, au red flag, au signe. Hein. Écoutez-vous. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui, malgré l'attirance, malgré les points communs, malgré l'alchimie, il y a quelque chose qui bloque ici. Hein. On a le temps, on n'a pas de dialogue, on a la rivalité, la chance, l'ouverture. Là, clairement, il y a des non-dits et j'ai l'impression, alors c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression que vous attendez le bon moment, les célibataires. Alors, soit vous devez faire aussi, alors l'épreuve aussi, les célibataires, c'est que vous avez plusieurs opportunités autour de vous et vous attendez, vous observez pour savoir quand agir, quand prendre une décision. Pour d'autres ici,
les couples là où ça a été compliqué, là on le voit, hein, il y avait peut-être un problème aussi au niveau de la communication, il y avait des conflits, peut-être une personne ou une situation qui parasitait votre relation. Dans tous les cas, ici, ça va se régler. Hein, ça va sortir, vous allez sortir de cette phase. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Le secret. Oui, voilà, il y a les révélations. Vous arrêtez de vous taire ou la personne en face de vous arrête de se taire. Bon, vous allez. Pour celles et ceux-là qui ont un sentiment qu'il y a quelque chose qui bloque là, qui cloche, vous allez avoir des révélations. Ouais. Il y a une certaine forme de toxicité et puis vous allez certainement aller dans une nouvelle direction hein, ici. Hein, avec ça. Ouais. Ouais, parce que. Vous voyez, la crise, la tromperie, le masque, hein, les choses cachées, l'évolution. Ouais. Il y a une personne dans l'entourage amical là aussi qui pose problème. Ouais, il y a une instabilité, quelque chose qui est peut-être pas cadré par rapport à une relation amicale. Ouais, du coup, vous vous enlevez du jeu là. Vous avez un bon raisonnement, vous sentez qu'il y a une personne dans l'entourage amical de la personne en face de vous qui pose problème. Et là, vous allez sortir du jeu, les célibataires. Par rapport à ça, parce que ça, c'est pas ce qui vous, enfin, vous en voulez pas de ça. On voit qu'il y a une relation un peu ambiguë. Bon, et pour les couples ici, il y a peut-être une personne, encore une fois, hein, qui a parasité un peu votre relation, pas dans le sens où la personne où il y a eu tromperie, adultère, hein, mais peut-être une personne qui a été toxique. On voit que ça a parasité votre relation, et là, clairement, vous réfléchissez par rapport à ça, et il est question de sortir de ça. Bon, allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je le dis à chaque fois. Si vous avez besoin de prendre le temps pour poser votre question. Et la carte est déjà sortie. Alors, quelle est la réponse? Écoutez votre intuition. Non, avec certitude. Il y a quelque chose ici, hein, drapeau rouge. Il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas bon. Par rapport au sujet où vous vous questionnez. Avec l'oracle des réponses, c'est un retour du passé, cette fois en positif. Pour que la situation fonctionne, mes yeux du cœur, c'est la clé de la réussite. Écoutez-vous. On a le chiffre 5 qui nous parle d'instabilité, de changement. Et le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie. Alors là, pour le coup, sur l'énergie du 6, j'ai le fait de se prioriser. Alors, on va regarder. Ouais, bon. Elle est sortie toute seule, ça veut parler tout seul. Ici, on a dans 5 ans et derrière, on a l'hiver. Dans 5 ans, on a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. On nous parle du passé. On nous reparle du passé ici. Pour moi, ici, c'est les 5 ans en arrière. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé durant les 5 années précédentes? Et avec ce chiffre 8 qui nous parle de vérité, de positionnement aussi, de décision du fait de vouloir trancher, hein. On voit que vous allez trancher sur cet hiver. On a un non avec certitude. Pour moi, c'est vous. Hein, qui allait trancher ici. Ouais. La situation va s'améliorer. Dès que vous arriverez peut-être à mettre vos limites, à poser vos cadres, à vous écouter, il y a des choses qui vont arriver derrière et qui vont vous permettre d'avancer. Comme si jusqu'ici, vous étiez bloqué parce que vous ne vous écoutiez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite du coup un bon mercredi, bon courage. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.